Aujourd'hui, dans ce nouveau reportage, nous retrouvons Johan, qui a vu pour la première fois une brebis. Que s'est-il passé lorsque vous avez rencontré cette magnifique brebis au pelage chidou? Alors, au départ, dès que je l'ai vue, je me suis dit, mais quel est cet animal? Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Au départ, je me suis dit, serait-ce un chien? Serait-ce une vache? Non, c'est une brebis. Waouh! Donc c'était la première fois pour vous que vous voyez une brebis quand même. C'est incroyable, vous avez dû être choqué. Tout à fait. Alors, j'ai déjà vu des chèvres. Hein. Les chèvres, c'était... Ouais, j'ai les chèvres. Hein. On a des... J'ai eu un problème d'ailleurs avec l'une de leurs chefs. Et voilà ce qui était extrêmement perturbant, c'est que j'ai vu qu'elle avait... Est-ce que ça a des cornes, une brebis? Ah, mais je suis con, en fait, les brebis, c'est des... c'est des moutons. C'est vraiment ce qui était très 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 bizarre, c'est que c'était un mouton, mais c'était pas un mouton en fait. Je me suis dit dans ma tête, mais ce n'est pas un mouton, je le sais, je le sens, j'ai déjà eu des relations avec les moutons. Oui. Des relations... Sexuelles? Non. Cette brebis, ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ressentir? Non, bah en fait, cette brebis, elle m'a fait vraiment ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties avant. Des choses comme... Quel sentiment exactement? Quel sentiment? L'orgasme. Hein? Non, elle m'a vraiment touché. Elle m'a vraiment touché profondément. On peut pas savoir ça. Du coup, cette brebis, est-ce que vous en gardez une bonne image, un bon souvenir? Bah, il faut que tu parles aussi. Est-ce que vous gardez une bonne image de cette brebis? Eh bien, en fait, le jour où on a eu notre relation, le lendemain, en fait, elle est partie et elle est allée voir un... Elle a laissé un mot sur la table. Oui, alors je reviens, enfin, c'était bien hier soir, nanana, mais j'ai connu quelqu'un d'autre, donc voilà, elle a mis entre parenthèses Seguin. C'était son meilleur ami. Le fameux Monsieur Seguin. Tout à fait. C'est vrai que la brebis de Monsieur Seguin, après tout, elle est bien connue. Oui, voilà, parce que c'est un mythe, hein. C'était la brebis de Monsieur Seguin et non pas la chèvre, parce que Est-ce que vous avez un message pour toutes ces brebis qui nous regardent? Le premier message, c'est vraiment... Sortez couverts. Enfin, vraiment, moi, je suis dispo. D'ailleurs, mon père fait très bien le pain. Mais arrête, putain. Du coup, est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de nous quitter? Oui, je voulais passer un message à tous les gens qui voient des brebis. Si vous voyez des brebis, est-ce que vous pouvez leur donner mon numéro? Tenez, voilà. D'accord. Je le donne au monsieur. Je leur ferai passer. Merci. Eh bien, c'est déjà la fin de ce magnifique reportage. Et nous découvrons la semaine prochaine Michel qui a dégusté pour la première fois des cailloux. Merci de nous avoir suivis sur TMC TV.